Et à 2 jours du réveillon, vous hésitez peut-être encore entre une volaille ou des coquilles Saint-Jacques. Si cela peut vous aider à choisir, voici la coquille vue du Calvados où la pêche est très réglementée. Avant qu'un chef étoilé nous livre une recette ultra simple pour un repas de rêve, nous partons en mer. Un reportage de Carole Coelho et Alexandre Dupont. C'est la reine du festin. Et voilà comment tout commence. 2 heures du matin, les coquillards quittent le port. Nous sommes à bord du Sauvage, le bateau de Dimitri. Comme tout bon marin, il a ses petits secrets. Un bon pêcheur, c'est quelqu'un qui a une grande mémoire. C'est l'expérience, il n'y a pas de truc. On a plein d'options, la mer est grande, et puis à un moment, il faut faire un choix. Il y a aussi des petits coins qu'on se garde. Cette nuit, des bateaux sur zone, il y en a beaucoup. 190. Les premières dragues sont remontées avec les premières coquilles Saint-Jacques. Le jour se lève. Il faut trier les coquilles selon leur taille. Et là, c'est 13 cm. Comme ça, on passe, on appelle ça la grosse. Là, elle fait plus de 13 cm, tu vois. Elle passe largement. Celle-là, elle passe pas, tu vois. Et qu'est-ce qu'on en fait, celle-là? Bon, on la laisse vivre, on la remet à l'eau. Parti. Retour au port. Sous les halles, une journée de pêche. 30 tonnes de coquilles Saint-Jacques. Les acheteurs inspectent la marchandise. Eric est mareilleur. Il vient chercher de la première qualité. Une belle coquille, c'est ça. Une belle coquille, ça c'est quelque chose de superbe. Elle commence à être bien coraillée. Vous voyez, ça commence à avoir un produit. Vous voyez, puis elle se ferme bien. C'est tout vivant. Quand on tape dessus, vous voyez, les coquilles se referment. Là, c'est un produit qui est vraiment très très bien. Mais pour ce responsable qualité, le meilleur est à l'intérieur. Une belle noix bien dodue, on voit la noix qui bouge en plus, c'est super frais. Un corail, très appétissant. Le manteau que vous avez autour, ça c'est de la super coquille. La saison bat son plein. Cette année, les Saint-Jacques sont très abondantes. Du coup, mauvaise nouvelle pour les pêcheurs, les prix sont à la baisse. Moins de 3 euros le kilo. Direction maintenant un restaurant étoilé pour une recette de grand chef à la portée de tous. On met notre beurre à fondre, on va mettre la mousse, un petit peu de sel, du poivre. Et on vient juste râper un citron vert avec un léger trait d'huile. 4 minutes sur le grill, c'est le secret de la cuisson idéale. Avec des petites notes de vanille et de citron, mais très légères. Pas une sauce lourde, pas une sauce trop riche. Vraiment quelque chose qui va venir juste la souligner. Hein, avec là, non pas un petit côté terre, mais un petit côté exotique. C'est prêt. Le festin peut enfin commencer.